une différence entre monde qui gagne pompe gasoline, yo même fait partie de Anadip, association distributeur produits pétroliers, ak compagnie qui c'est compagnie qui a importé gaz qui a vendre. So le gouvernement dénoncé yo, il mène toute une campagne contre compagnie ça yo, gens que nous ouais ça depuis quelque temps, gouvernement ça il a attaqué plusieurs entreprises et plusieurs business dans pays depuis que yo pas non même yo pas dans même sphère avec pouvoir et c'est ça nous parce que ça pas veut dire que gouvernement pas gagne businessman qui avèl ça pas veut dire pas gagne monde qui riche qui avèl mais moun sa yo c'est moun pa li mais li visé depuis li gagne une divergence à un autre secteur et bien c'est campagne destruction massive et c'est comme ça depuis quelque temps gagne attaque qui a fait contre un secteur pétrole là et bout pour bout c'est premier ministre de facto qui paraît semaine ça même ak yon rapport li di yon enquête trois instances dans l'état menen qui déshabiller compagnie sa yo li di ki a déchepiller pays hein depuis 10 ans qui font dividal l'argent et premier ministre à la fois dit l'état prend contrôle compagnie ça avait dit que yo nationaliser mais en même temps dit li yo libéraliser et secteur pétrole là et regroupant yo rele APPE association des professionnels du pétrole donc une association pas trop connue qui excessivement discret mais qui paraît notre ça avec un saut et pour répondre contre une accusation pouvoir faire contre lui et lui dit pour rétablir la vérité sous rapport IGF ULCC UCREF là et mais ça dit il a rassemblé 5 compagnies pétrole n'est pas même cité eux même qui distribuaient carburant et dans pays hein et yo prend connaissance à travers la presse rapport intérimaire une task force qui gagne la donne IGF ULCC UCREF et sous l'agent l'état perdu dans cadre marché pétrole là a acheté pétrole et vin vann particulièrement entre mois de mars 2010 ak mai 2020 10 ans et li dit yo trouvé ça drôle que pas gagne ken côté dans rapport ça yo préciser ça les structures priant gens que priant chapanté pour vendre produit pétrole là dans pays d'Haïti depuis 30 ans c'est ministère économie et finance qui gérait c'est lui même qui bail qui gens pour ça fait et c'est lui même seulement qui est autorité dans domaine ça l'utiliser ça les indices Caribbean posting et compagnie pétrolière obligé respecter règles ministère économie et finance établi qui donc l'état dans question commerce carburant et gasoline et tout gaz et selon structure prix qui mettait en place Jean ministère économie et finance établi depuis 30 ans et li toujours il y a parlé de structure ça appliquer ce ministère a toujours calculé différence qui existait entre les Caribbean posting et plates après chaque importation donc un gouvernement parlait de bénéfices et exorbitant et compagnie pétrolière a fait sous deux peuples alors les calculer et c'est lui-même qui calculait structure et gouvernement et gens pour vendre pétrole là sur marché et prix carburant en Haïti c'est l'état qui définit qui capable retracer produit yo li ka connaît exactement combien chaque gallon coûtait d'après ça notre l'a précisé donc pas gagner et une possibilité pour ces même qui fait ça au pipito dans question prix gaz là. L'important pour rappeler l'état subventionner carburant et pour prier et à l'acheter dans pompe là pour pas monter descendre pour le rester fixe. Et le fait que je parlais de dévaluation mais l'état par exemple prend aucune décision, c'est le gouvernement, banque centrale, c'est-à-dire dévaluer goudlan, mais c'est dépréciation et systématique goudlan qui a baissé le $20 pendant 10 dernières années ça et engendré l'une fait que comme conséquence living by taxe que l'état apprend yo à cause et prix carburant a monté depuis 2019 living baissé et augmentation et quoi bio payer pour transport dans mer bateau qui a porté gaz non les fait commande yo et qui toujours en plus de ça c'est bride sous coup et faire commande yo fait que les y a venir avec yo yo coûter au plus parce que yo pas fait commande yo non temps qui t'a permettre que yo pas courir à le payer et trop cher
Donc là on fait commande dans dernière minute au payer piché. Différence entre ça le Caribbean Posting et Appletta, li varier sous chaque fois un bateau porte gaz dans vini et sous chaque quatre dernières années c'était 20 centimes. Il dit faire connaître différence tantayé et compagnie qui a vendre produits pétroliers en Haïti, y a pas aucun contrôle sous indice ça et augmentation différence en 2019 et pas gain rien pour à question yo libéraliser marché local là d'après ça notre n'a pas pour dire yo dit que moun qui écrit rapport yo et ça yo dit c'est menti et là a parlé de bénéfices mais l'argent et que compagnie et cap vendre pétrole yo a fait c'est pas vrai yo pas prendre en considération toutes dépenses compagnie ça yo gain pour faire pour capable fonctionner ni et tout là c'est des cob y a parlé yo c'est cob yo gain pour payer et tout cob qui doit dépenser pour yo capable faire business produit pétrole là et puis tout yo gain pour payer l'état impôt rapport est en cours ça IG F ULCC ak UCREF tabli lan li doit servir pour fixer responsabilité yo pour aider l'état pour prendre bon gens décision sans que le pa bay l'autre moun chay pote et sans que yo pa gen responsabilité pa mette chay sou do l'autre moun ni responsabilité et ça qui fait qui pa respecter règle qui en application yo là yo utiliser structure prix défini ministère économie et finance il fait qu'on yo même yo pas gagné aucune responsabilité dans ça et pas transférer sous dos yo et responsabilité moun qui pas respecter règlement et yo rappeler c'est ministère économie et finance c'est lui même qui contrôler toute question affaire prix qui donc l'état dans affaire pétrole là c'est réponse à cinq compagnies pétrolières yo voye bail et gouvernement tête calé. La caille panon n'a vini toujours concernant information yo ak dossier Petro-Caribéen yon nan dirigeant groupe Petro Challenger nou pap dormi James Beltis critiqué façon équipe qui sous pouvoir vle passer en bas pied dernier tranche la rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif qui montre façon équipe PHTK et bien dans et PIAI qui fait gagote dans l'agent Petro-Caribéen dans interview par Radio Kiskeya Jean Beltis fait connait position conseiller président à façon pouvoir et couper moitié budget la Cour des comptes et montrer à clair et rapport la Cour supérieure des comptes sous dilapidation l'agent Petro-Caribéen fait pouvoir ça gain machoir gonflé contre institution publique là et qui indépendant et n'attendé dirigeant ça une dirigeant organisation Petro Challenger nous pas dormi James Beltis dans micro Vladimir Maurice Idori. Pour nous rappeler pour tout le monde, depuis vous parlez de Petro-Caribé, pour vous remplacer Salva Gué côté pour le mettre col. De temps en temps, il a changé position, il peut amener Kimbo Manuye. Nous, qu'à rappeler que le rapport ça a été sorti dans le Parlement, le président dit à Bouchli, c'est la Cour des comptes qui vous fait audit et que pas aucun groupe politique qui pourra le prendre à ça pour faire persécution politique. Et de fait, il était voué dans la Cour des comptes, mais dans l'idée, comme la Cour des comptes sont bagages qui va travailler, il y a plus que 10 ans, il n'y a pas tout contre l'État. Mais d'être pas le président a voué avoir mouru dans la Cour des comptes. Il n'y a pas anticipé action citoyen, yo pas anticipé de jeunes qui eux même qui autrefois pas intéressés à bagay sa yo mais qui viennent faire face avec un scandale qui décide de prendre un engagement politique, de engagement citoyen contre corruption pour te pousser bagay sa. Donc une fois que rapport arrivé dans la Cour des comptes, premier rapport de dit l'an sorti nous et régiment pour la président avec tout le monde qui autour de lui, yo changé position, qu'on y a eu tiré pied les noyaux côté. Les deuxième rapport sorti, donc c'était aussi des scandales général dans camp pouvoir et qui apprennent que président même l'idée même dit que il pas fait coup de confiance encore. Vraiment avec les mêmes qui disent c'est coup de compte qui pour faire, pas coup de compte qui va demander une organisation internationale pour faire un audit. Donc, quand il y a là, les nous venons dans la troisième partie rapport. Troisième partie rapport, non seulement pour premier rapport, il confirme deux rapports sénatoriaux. Deuxième rapport, il confirme ni rapport sénatorial ni premier, pas une contradiction. Et troisième, il confirme totalement que vraiment, c'est un gros stratagème de corruption dans le pays, dans le cadre de gestion.
question l'argent Petro-Caribe yo, président en place ça, il impliqué, président avant l'impliqué qui gagne ensemble premier ministre et de fonctionnaires d'état qui impliqué dans gabegie ça. Ça veut dire jodiant nous comprenons clairement que régime en place ça va pas aucune autre attitude que shooter sur la Cour des comptes. Nous connaissons que dans le dernier budget gouvernement de facto a coupé budget la Cour des comptes de moitié. Son hostilité qui tout l'ouvrit et soit tant du conseil président Well, c'est des monde qui presque yo tellement hostile yo sauté dans pour homme d'état yo qui toutefois été homme d'état vrai pour yo a shooté à boulet rouge son institution indépendante qui a fonctionné au frais de la République a fonctionné sous taxe donc c'est bon bagage illégal donc ouais a shooté sur l'état que yo même yo prétend yo vienne servir. Donc son bagage qui est extrêmement grave et non seulement rapport Petro Caribe a montré nous que son forme son service dirigeant son fonction pour nous empêcher que mort monde ça arrive dans tête l'état qui ça nous même en tant que groupe Petro Challenger nous pas dormir nous compte faire après sorti troisième et partir pour ça. Il y a plusieurs bagages qui en perspective pour nous faire. Plusieurs bagages pour nous faire, nous connaissons que et nous même en tant que groupe Petro Challenger de citoyens engagés, nous connaissons que rapport à son rapport qui est très volumineux, c'est environ 1000 pages. Donc nous pensons que nous gagnons pour nous au moins faire du travail là dernier pour nous mettre lui sur un format qui est accessible avec plus de monde parce que nous connaissons qu'un peu de monde qui va pouvoir fouiller un document comme ça. Donc j'en ai une habitude faire là, c'est mettre sous forme flyer, chercher du bagage très poignant là-dedans, sensibiliser la population sur eux. Donc ça, c'est un premier travail que nous-mêmes, nous n'avons pas dormi, nous gagnons pour nous faire. Mais nous gagnons une bonne autre activité de sensibilisation, de rencontre, de présence dans les médias, de conférences pour nous faire, pour nous sensibiliser monde sous question rapport à ça. Mais le travail que vous faites là, c'est le premier travail, c'est l'effort citoyen, conscientiser et reconnaître que nous avons des dirigeants qui étaient là pour protéger, nous avons des dirigeants qui étaient là pour améliorer la vie, et nous avons des conseils sous condition, mais qui savent ce que faire et qui nous faire ou changer comportement en tant que citoyen, changer comportement en tant que citoyen engagé, mais changer comportement par rapport avec les pays. Et travail, ça, c'est un travail qui est important. Voilà, Diane Beltis, une dirigeante organisation Petro Challenger, nous pas dormi. Non, Miko Vladimir, Maurice Ridoré. Toujours sur le même sujet, et dossier Petro Caribéa. Député, ancien député Kings Coughlan, qui s'est allié pouvoir, ancien représentant circonscription Kings Coughlan dans la 50e législature, député Alfredo Antoine Junior, qui pas bail débat qui a fait sur ce rapport à trop importance, après la Cour supérieure des comptes contentieux et administratifs fin publié et remettre le bail reste Sénat dans le commencement semaine ça. Et pour lui-même, ancien parlementaire Tenera Bagnier qui dit d'ailleurs la Cour supérieure des comptes contentieux administratif responsable gagote et qui fait dans l'agent Petro Caribéa pour la simple bonne raison il dit la quoi pas fait travail li s'il était qu'on fait travail li et bien jodel madame devant cabal ça pour dénoncer Jean te gain gagote dans l'agent Petro Caribéa ça déclaré dans interview ça et Alfredo Antoine Junior souhaitait la Cour des comptes fait travail li comme ça droit même dans période côté gain urgence n'attendez toujours dans face à dans micro Vilnia Joseph. Il n'y a rien de tout non dans ce rapport parce que c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui était là pour suivre les dépenses l'état. C'est même la Cour ça qui a fait ce rapport après pour dire mais quoi mal passé. Alors que depuis le contrat la Cour est bien pour jouer rôle. OK? Donc la Cour va aider en rien. Donc, question rapport, même ça pas étonné. Et puis, question, papi Mouna apprend, dit que la croix fait un gros travail, c'était travail par la croix, que vous êtes payé pour le faire, qui est doué, jouer le rôle de virgin dans la question de dépenses publiques. Donc, il n'y a pas de fait. Donc, ça ne m'a pas rien pour m'étonner dans le travail pour l'institution, c'est doué fait, il n'y a pas fait, il n'y a pas fait l'attente, et quelques temps après, l'argent finit mal dépensé, et puis la vine. Donc, sauf que moi j'ai des réserves sur question rapport ça yo moi toujours dit que son dossier qui mal initié c'est toute institution qui était contractée avec des institutions privées pour fournir le service pour l'état et que ou pas fait travail yo institution ta yo qui était institution qui était passé contrat avec ou dans l'état pour faire évaluation du travail que ou devait faire. Si travail là c'est à 20%, yo gen comme 60%, 80% dans main yo. Faut que yo soit au fini travail là ou bien au restituer c'est rôle. Donc la Cour supérieure des comptes gen deux actions majeures que le poser dans cadre
dépenses publiques, yo, administrateurs, ou bien d'ailleurs comptables publics. C'est rendre arrêt de débat ou bien arrêter qui tue. Si mon nom est bien dépensé l'argent, l'État, si le mal dépensé, il y a arrêt de débat, et arrêt de débat qui salvera l'ordonné, c'est restituer à l'État l'argent qui mal dépensé. Donc, même c'est ça que ma partie. Alors, dans le cas de la Cour des comptes, où vous parlez de travail, il y a pour le défaire, mais en pile projet, vous passez dans la période d'urgence. Dans la période d'urgence, la procédure, ça, vous mettez sous côté. Même là, c'est dans la période d'urgence, la Cour qui est pour le veiller à ça, il n'est pas dit que pendant la période d'urgence, que la Cour n'a pas aucun regard. Mettez en célérité dans la procédure. Mais la Cour qui est molle pour le dire quand même. Même là, c'est la période d'urgence, ce n'est pas ça que la loi dit. Comment capable de route qu'a fait dans la question période d'urgence. Si c'est un pont qui crase dans la question cyclone ou bien tremblement de terre, on peut comprendre. On pont, mais on route de centaines de kilomètres de route. Ou pas capable de dire que le rentre dans la période d'urgence. Donc, question route, c'est question qui planifiée. Donc, question de construction de bâtiments, il n'y a pas rentrer dans la période d'urgence. Donc, la Cour a un rôle pâle pour le dire, même là, c'était, il dit que dossier ça, parce qu'il y a un droit de regard sur eux pour la non-objection, mais il a dit que j'ai deux dossiers ça, parce que moi, en pile, qui sortait avec ça, la poursuite. Voilà, ancien député Alfredo Antoine Junior, yon l'autre pas, il déclaré à cause Sénat dysfonctionnel, il n'est pas capable de transférer le rapport à l'autorité de la justice. Yo. Selon ces parlementaires qui s'est allié pouvoir, il faut que retourne au Parlement et il faut que l'élection qui fait dans le pays pour le Sénat complet et pour le pencher et puis sur le dossier ça et voir la justice. Ancien député Alfredo Antoine Junior, qui était représenté 15 coffres dans la 50e législature, on rappelé Wall, la Cour a gagné selon la loi pour jouer, qui c'est auditeur et toute institution l'État, yo, alors que le pas jamais fait ça, c'est après gagote, les que Cabrit fin passé, l'après les fermes barrières. N'attendez ancien député Alfredo Antoine Junior, toujours dans le micro, Vilner Joseph. La justice est faite de procédure. Donc, la Cour n'a pas saisi directement la justice. Donc, faut qu'il passe. Le gouvernement haïtien a déporté les gens essayant de déporter le ministre qui déporte en plainte formellement par la DG. Le gouvernement n'a pas trouvé aucun dossier. Ben, la Cour subit des fautes pour le travail. Que je sache. C'est le Sénat de la République qui s'est transféré le dossier à ben, la Cour pour approfondir l'enquête. Donc, l'IFEL, la Cour retourne le dossier à ben, le Sénat de la République. Et le Sénat vient pour que lui-même lui fait une séance sur lui pour le sanctionnel. On y a dit, est-ce que le Sénat fonctionnel pour que lui faire des décisions sur le dossier ça, c'est société à pour juger. Est-ce que le Sénat lui fonctionnel actuellement? Donc, lorsqu'on va respecter l'institution doit fonctionner. À plein rendement et en tout temps. Donc, côté qu'on voit au Sénat qui est dysfonctionnel, qui n'a pas posé aucun acte législatif pour le moment, parce que dysfonctionnel, c'est 10 nègres qui a joui de deniers publics là, mais c'est pas rien, il y a travaillé vraiment pour l'État. Vous dites, il faut que conseil ce qui t'a fait pour sanctionner le rapport pour avoir l'autorité, c'est que présentement, c'est Sénat dysfonctionnel. C'est un dossier, nous capables dire qu'il mourit au niveau Parlement, au niveau Sénat. D'abord, nous sommes esclaves. La loi, procédure a dit que on rapport, il faut que Sénat sanctionnel, d'abord, on débat fait sous lui. On séance qui fait sous lui autour de rapport là. Au niveau Sénat, pour sanctionner, pour décider qui ça a parlé. C'est le Sénat qui a décidé pour transférer devant l'autorité judiciaire. Parce que c'est une autre contrainte. Donc, on a fait n'importe ça autour de lui. Okay? Mais si on a respecté la procédure, il faut qu'il y ait un Parlement, il faut qu'il y ait le Sénat de la République là, qui siège dans la majorité, il y a un siège qui prend et qui décide que le rapport ça est sanctionné et a transféré le bail à la justice. Nous sommes cadres au niveau de la Chambre des députés. Nous avons un jour de gagner une équipe de la Cour supérieure des comptes qui vient auditer la Chambre des députés, qui a dépensé l'argent de l'État. Donc, 5 ans ou bien 10 ans après, on a entendu que la Chambre des députés a dépensé l'argent mal. Donc, c'est où la Cour, pour chaque année, lui auditer tout côté l'argent de l'État a dépensé.
une institution clé tout qui t'a géré comme Fonds Petro-Caribe, c'est BMPA. Institution ça, pas jamais audité par la Cour supérieure des comptes pendant toute gestion Fonds ça, Fonds Petro-Caribe. Donc c'est Mec Jolie. Et c'est pendant que j'étais député, dans le cadre de recherche que je fais, donc la Cour supérieure des comptes qui était de ouais, l'institution ça, et la BMPAD, il doit auditer parce que pile l'argent l'État qui a dépensé là, il va te faire. Si on te refait audit sous lui, attend tout l'argent de cap mal dépensé actuellement ou pas ta bien. Yo. Donc l'audit la Cour supérieure des comptes a déjà dit, mais il n'y a rien de cagotte qui a fait là au niveau. Voilà, ancien député Kinskoff, Alfredo Antoine Junior dans micro, Vilner Joseph. Toujours concernant le même dossier, ça, gagnant ancien commissaire gouvernement Gonaïve Enoch Genedius, qui c'est premier monde que yon secteur désigné pour aller dans KEP Jovenel Moïse a monté après démission collective Conseil électoral provisoire 2016. Non? Et c'est le secteur vaudois qui choisit, et bien le passé à l'action, et contre sénateur Latibonite Lan, leader Haïti en action, l'hypothèse plainte devant tribunal première instance Gonaïve, contre la torture accusée et dans corruption et dans détournement l'agent programme Rénovation Ville Gonaïve. Ça que leader AA voyait jeter, coordonnateur national AA, qui était présent dans la cérémonie, sa signature déclaration 21 d'août, qui fait dans le jardin Kiskeya jeudi, te répondre question équipe Radio-Télé Kiskeya sous démarche ancien commissaire gouvernement, li fait qu'on li pas prendre provocation, parce que tout, dans tout dernier temps, ça yo, c'est en bas persécution politique liée. N'attendez leader AA, sénateur Yuri La Tortue, dans le micro Hervé Noël. Non, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne vais pas entrer dans son blague a fait. Je ne vais pas entrer dans ça. Je ne vais pas prendre la provocation. Je ne vais pas prendre la provocation parce que nous, semaine ça, c'est semaine persécution, provocation. Moi-même, je dis, ce qui intéresse, c'est Haïti. Voilà l'idée AA concernant plainte ancien commissaire gouvernement et peut-être futur membre conseil électoral provisoire Jovenel Moïse et Enoch Genedius qui portait plainte. Et dans le tribunal première instance, Gonaïve Lan contre Yuri La Tortue, nous avons qui joue un rôle moteur dans le dossier Petro-Caribe. Premier coup de plein d'actualité internationale, là, maintenant dans Omsk, et nous dans le pays la Russie, côté finalement direction l'hôpital ça, qui est dans Sibérie, et annoncé, contrairement à la première déclaration qui a été faite pendant la journée, et opposant numéro un face à Vladimir Poutine, non? Et la capable quitter et supposé quitter déjà la Russie pour aller dans pays Allemagne pour aller prendre soin Alexei Navalny et qui était mené dans l'hôpital ça bride sous coup pendant était à bord avion était obligé font coupe pour aller font atterrissage d'urgence pour courir avec l'hôpital parce que à bord avion qui t'a mené sorti Sibérie pour entrer Moscou il prend un poison pendant t'a il était boire un thé à bord avion. Et devant et gagnent un avion médicalisé qui sorti en Allemagne qui vient chercher ces quatre promesses chancelier allemand a fait hier côté lui-même ni tout la France t'est offri et leader opposition pour lui venir soigner la caillune là-dedans il choisit l'Allemagne et donc pour le transférer dans Berlin et proche avocat ça qui a 44 ans accusé Kremlin qui donc pouvoir la Russie d'après d'avoir livré empêché pour évacuer Navalny pour aller prendre soin dans pays Allemagne. C'est pendant il était à bord avion ça t'a sorti Sibérie et puis gon seul vent fait mal et qui prend et côté que nous avion t'a atterri et d'urgence et pour courir avec dans l'hôpital côté d'hier et monsieur t'est entré dans coma et jusqu'à présent dit pourquoi sorti dans coma. Appareil là t'est atterri et t'est mené dans l'hôpital côté d'hier. Proche Alexei Navalny, la de Madame Ni Oulia, et puis avec une équipe allemande qui spécialisée dans les potes malades et qui n'en coma et prend soin de malades qui n'en coma, et atterri et jeudi à l'aéroport ville ça pour capable aller en Allemagne avec lui. Entourage opposant numéro 1, Vladimir Poutine, estime que l'hôpital côté lié en province, il manquait équipement. C'est vie Navalny qui en danger et yo peur pour Kremlin qui donc pouvoir Vladimir Poutine n'a pas essayé cacher une série de indices puisque c'est poison
yo bali et côté et qui pral faire monsieur a prêté plus temps l'hôpital là et santé l'a dégradé d'après sa famine à quand proche li dénoncé médecin dans l'hôpital Sibéri ça yo té annoncé dans commencement la journée hein malgré li té gen un petit amélioration mais monsieur pas stable yo pas capable transporter pour aller dans pays étranger et yo et parler tout sous décision et finalement na assoir semble Kremlin passer au l'ordre yo autorisé même malade ça pour monter à bord avion pour aller en Allemagne yo dit que pas proposé à transfert li après médecin allemand yo té venu dans l'hôpital là côté yo examiné malade là et yo dit oui yo capable transporter Anatoli Kalinichenko qui c'est médecin en chef en après dans l'hôpital là fait qu'on est l'hôpital là t'est proposé pour eux même tout participer dans transporter Navalny dans aéroport et côté que j'étais doué faire ça madame Navalny et t'est voyé une lettre by Vladimir Poutine côté de supplier et pour autoriser équipe allemande aller avec Maril en Allemagne. Alexandre Murakowski, qui c'est médecin qui a dirigé l'équipe médicale qui t'a baillé Alexei Navalny et soin dans l'hôpital ça dans Sibérie, déclaré bon côté pâle matin, il y a pas joine affaire de poison et encore leader opposition. Il croit c'est peut-être sucre monsieur qui t'a baissé. Il précisait cependant rejoindre de traces produits chimiques industriels et sous Radli acte d'un avocat qui est 44 ans, mais médecin yo, yo écarté thèse empoisonnement. Faut que nous dit que c'est leader opposition le plus connu et qui plus crédible tout par rapport à Vladimir Poutine d'ailleurs qui empêchait le participer dans l'élection présidentielle 2018 là, en vant critique que arrêté le mettre en prison et lui-même n'est pas peuple Vladimir Poutine, n'est pas peuple prison tout, il dénonçait corruption gain dans pouvoir russe non et il démontrait Vladimir Poutine ben en corruption. Même Jacques premier ministre et chaque fois yo arrêté mais gen gros mobilisation k'ap fait chaque jour plus pour li nan pays li qui défie système nan et sous plan international affaire prison c'est chemin jardin li entré lit la donne li continue organiser manifestation sans autorisation contre pouvoir russe nan et puis li gen en pile follower li gen en pile monde qui a suivre li et sous internet côté régulièrement li fait de intervention qui très structurée et li vini tout en programme et vidéo très bien monté et c'est un adversaire et Vladimir Poutine gen problème avec et c'est comme ça te interdit de participer dans élection 2018. Dr. Michel et Payan qui était là tout et te gen plusieurs autres personnalités te gen écrivain Evelyne Trouillot et qui était là bon côté Lionel Trouillot nous connaît qui jouait un gros rôle pour arriver faire rassemblement ça et journée jeudi c'est sénateur Paul Denis parmi personnalités qui était présent yo et bien entendu il y a pile non parler prendre chance tu gain artiste Keb qui était là tout Keb Bastien donc tu gain plusieurs monde qui était là. Situation politique pays a une préoccupation pour collectif 4 décembre alors initiative ça tout monde attend c'est quoi elle planté une graine dans terre attend qu'on est là résultat son premier initiative mais certainement faut gain l'autre qui vient en après collectif 4 décembre paraît une note sous conjoncture qui peut date 20 août là il fait qu'on est là garder dans qui ça pays apprend là il m'a rendé depuis plus que 2 années côté crise sans pareil ça côté pays a pas gagné gouvernance dans tête li sous plan social et pays a tombé plate à terre effondré et dans situation économique là ni même c'est maman petite mare vente en pile groupe dans société à travers pays an, et rassemblé depuis quelque temps pour yo essayer pour yo joindre un remède et par rapport à pile à paquet maladie ça population jusqu'à présent semble des prisonniers dans prison incapacité élite nou yo d'après ça collectif 4 décembre déclaré pendant ce temps ça pouvoir exécutif là lui-même la persisté dans tête di la fait dérive la mené pays a nan yon touring chaque jour plus et côté gens situation hier s'il continue comme ça
eh bien société a lui-même l'a fait une explosion sous propre tête li. Collectif 4 décembre qui dit les fidèles à mission ni les lancer en moi bay tout acteur dans société civile là tout monde qui pas dans manque mélange qui pas dans coup de poing dans dos et tout patriote tout bon pour engager en façon positive et pour prendre position plus vite que possible et sans aucune situation qui pas clair sous drame pays d'Haïti a traversé sous problème élection nous pas qu'à faire qui trouver une autre fois encore dans impasse et li clair et sous considération qui doit faite concernant transition et qui ta doit chapenter pays a et qui pral bay pays a une autre direction et toujours collectif 4 décembre k'ap parler selon nous-mêmes une feuille de route qui ap chita en détail pour une vraie transition k'ap fonder une autre route pour l'autre Haïti tout neuf chaque jour plus vient nous nécessité pas qu'attendre pour sauver nation l'heure c'est dans tête ensemble nié l'heure c'est dans prendre position en tant que patriote l'heure c'est dans construction yon état nation pour bien-être pour la vie meilleure pour chaque grain haïtien et pour tout haïtien. Vive Haïti, vive tête ensemble, vive transition qui a bail pays en l'autre direction, vive société civile là qui rassembler et puis engager Jean-Robert Argan, coordonnateur général collectif 4 décembre. Bon côté par yon, plusieurs organisations populaires et qui dans opposition face à pouvoir qui annonce mobilisation contre pouvoir tête caléa dans jour k'ap vini la yo c'est ça yo déclaré dans conférence pour la presse. Édouard Saint-Fleur, une responsable organisation ça yo dénoncé d'y attaquer directement gouverneur Banque Centrale là qui pas régler problème goud là par rapport à dollar et d'y parler tout de plusieurs autres points qui ga revoir à conjoncture et Naptandel qui t'a parlé comme ça Édouard Saint-Fleur conférence pour la presse côté Amos Breville t'est présent pour Radio Kiskeya transfert yo par rapport à décision folklorique que Jean-Baden Dubois en tant que ses représentants BRH prend pour injecter 150 millions de dollars américains sous marché d'échange là et n'a pas rappelé Jean-Baden Dubois arrivé en 2015 dans tête BRH côté il était remplacé Charles Castel. Quelques temps après, Jovenel Moïse réinstallé et décision ça t'a fait quoi que selon Jovenel Moïse que Jean-Baden Dubois eh bien tape bail un bon résultat dans tête BRH là. Mais tout le monde connaît mafia ça qui c'est Jean-Baden Dubois. BRH pas la fait et un protocole d'accord avec ministère de l'économie et des finances, nous t'ai gagné un déficit budgétaire qui était évalué à environ 34 milliards de gouttes. Donc je vous dis c'est BRH qui est responsable politique monétaire en Haïti. C'est BRH qui connaît qui est la mettre plus de l'argent et sous marché local là et qui est la mettre moins l'argent sous marché local là. Et c'est BRH tout qui bail l'autre à qui tout d'intérêt moun ka prêté l'argent, ça y aurait le taux directeur. Ça veut dire qui ça? Si je dis dollar continue à souffler tes gouttes là, ça veut dire c'est BRH à travers Jean-Baden Dubois qui responsable situation ça. Qui est-ce moun qui bénéficie de l'agent ça yo? Le Bidjo, le Pierre Moscoso, le Andal et la Trie. Eh bien, c'est ensemble des moun ça yo qui toujours créé yon raté des dollars artificiels. Raté des dollars artificiels ça, l'el créé dollars augmentés, c'est secteur bancaire qui bénéficie de comme que injecté dans sous marché des changements pendant ce temps moun ti machin yo moun ki nan petit et moyen entreprise yo y a décapitalisé y a transformé en détaillant et face à situation ça nous t'a gardé ministre commerce là qui c'est Jonas Kofi qui demandé pour que toute transaction qu'a fait tout marché local là pour yo fait en goutte mais je ne veux dire malgré premier ministre Jude Joseph te salué décision ça et bien nous décision ça pas jamais rivé respecté toujours dans même conférence pour la presse c'était Édouard Saint-Fleur gain Edzer Jean-Louis sous Bopal je pas d'accord d'après ça dit avec dernier rapport la Cour des comptes publié hein. Oui, sous Bopal déclaré yo d'accord. Il va pas d'accord, mais la Cour doit publier tout
rapport de façon complète d'après ça dit et faut que ce soit avec arrêt de débat tout le monde qui coupable et faut que la justice arrête immédiatement et Jean-Louis fait connaître il y a pas dans élection ni de près ni de loin avec Jovenel Moïse au pouvoir n'attendez qui t'ai parlé comme ça toujours dans même conférence pour après ça côté Amos Breville était présent pour être qu'est-ce qu'il y a. Dans cette organisation politique, nos oppositions constaté qui complot cap marré sous deux peuples là pour finir avec. Côté journée jodia, dans cette organisation politique, nos oppositions constaté qui complot cap marré sous deux peuples là pour finir avec. Côté journée jodia, yo font jean pour peuple là pas accès à dollars américains même du tout pour finir décapitaliser classe moyenne non. Nous constater comment la vie a vint plus cher, c'est à cause l'argent américain cap monter chaque jour. Aujourd'hui, nous besoin 123, 124, 125 gouttes pour 1 dollar américain. Tandis que salaire employé pas jamais monté, prix produit première nécessité a monté bras. Peuple n'a pas qu'à manger et yon pas gain pouvoir d'achat. Là nous constater, yon type sac d'iri qui devront vendre 115 dollars. Je ne veux pas vendre 230 dollars. Gros sac qui gagne 8 mamites de millions, qui te compte vendre 210 dollars, 230 dollars, lui passer 600 dollars quelque côté. Galon Lula, peuple n'a pas acheté, charbon, il n'a pas acheté, on y dit tout, peuple a mouru. Pas la fin, grand goût à tout yel. 150 millions de dollars américains sur le marché économique. On profite d'un petit groupe mafia. Next salon là, pour accaparer rapide. Tandis que l'argent ça, il n'y a investir dans la production nationale, dans le PME, côté petit moyen entreprise, il n'y a joindre l'argent ça. Pas dans l'élection malaction avec Jovenel Moïse. Dis tout. L'enop constaté, l'enop gardé dernier note. Ambassade américaine mette dehors. Hein? Le nap gade avec Enawe nou, qui est un pays d'Haïti gangsterisé, son série de bandes nek aksam, kap fè la pli et le bon temps à travers tous 10 départements pays. Hein? Nous dit, pas de député, pas de magistrat, pas de président, pas de premier ministre, pas de la justice, je dis à nous capable gade ces populations, hein, kap fè légitime défense li, pour contre li. Parce que je dis à nous pas aucun chef, nous pas aucun monde qui défend nous. Nous dit nous pas dans élection avec Jovenel Moïse. Je dis à pour l'histoire et pour la vérité, tout le monde dans le pays d'Haïti, national comme international, qu'on histoire des questions 4 de malob là. C'est Madame Jovenel qui portait nos premières dames qui mangeait 27 700 000 dollars américains, nos questions 4 de malob. Voler! Et nous dit projet 4 de malog ça, li pa paraît devant cour supérieure des comptes, li parle devant parlement tête là dans parlement yo, nous dit c'est un projet fictif lié, c'est madame Jovenel Moïse et la trier qui jeta un petit bout de caille qui mangeait 27 700 000 dollars américains. Et mais je dis ça nous capable dit bien, mais c'est dans ce sens ça nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition et organisation populaire nous dit nous pas camper dans route. Nous dit nous pas arrêter bois croisé. Nous dit nous pas arrêter je fermé. Nous dit faut gain lumière qui fait sous 27 700 000 dollars américains parce que je dis à gain monde qui pourra répondre question devant la justice. Abdiol fait 4 électorales, côté que c'est l'élection piqué collé Jovenel Moïse besoin à le faire. C'est dans ce sens ça, nous-mêmes, dans ensemble organisation politique de l'opposition, nous disons que nous ne pouvons pas fermer ce dossier ça. Faut que Jovenel Moïse parti avant 7 février 2021. Nous voyons un gros coup de chapeau, bail, tout juge, dans le coup supérieur des comptes. Que nous-mêmes, dans ensemble organisation politique de l'opposition, avec organisation populaire, avec organisation politique, nous t'a demandé pour que si y a des comptes sortir pour ça pour nous. Je dis à nous que si y a des comptes sortir pour ça en trois tranches. Nous même nous dit bravo pour conseiller qui n'a pas y a des comptes. Mais dire que sortir pour ça en trois tranches, n'a besoin pour un rapport unique. Nous besoin d'un seul tome. Le procès Petro-Caribe a fait pour le faire bien. Mais dire que nous besoin un rapport unique, n'a demandé messieurs dames que si y a des comptes juge arrêtez de bêyo. Pour accompagner rapport unique là avec arrêt de débat. Voilà, c'était Edzard Jean-Louis qui t'a parlé et puis avant c'était Abel Loreston et puis Édouard Saint-Fleur. Concernant diverses initiatives Jovenel Moïse apprend puisque en même temps il parlait de question élection mais tout l'appement question constitution.
ancien ministre justice non maître Camille Leblanc fait qu'on est Jovenel Moïse pas gain aucune provision la loi Bali pour capable changer constitution pays a. C'est ça déclaré dans micro radio Kiskeya maître Leblanc considéré c'est un temps la perdu les Jovenel Moïse pensait d'être capable changer pour contenir constitution pays a. Ancien ministre justice là yon l'autre pas te tout profiter fait connait président Jovenel Moïse pas capable organiser élection tout dans pays là n'a tendel qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Moïse qui doit président Moïse pas gain aucun côté en dans constitution qui permet lui engager en démarche pour changer constitution. Constitution lui-même lui dit comment pour modifier. Lui dit c'est n'en faire une législature. Législature là ça partir de mandat chambre député là constitutionnellement lui fixé. Donc lui dit dans dernière session qu'a fait le pas gain 4 ans à partir de septembre donc le mandat a fini en janvier. Lui dit laisse ça chambre député qui sortant qui a droit font déclaration dit que lui mandé pour changer constitution à côté lui faire que l'article qui mandé changer. Lui fait élection l'autre législature qui venir lui-même lui confirmé et constitution dit comment vous ça fait. Il dit que ou pas de droit faire référendum. Or, le fait que pas de parlement qu'on y a, donc ou pas d'un cadre constitutionnel pour faire réforme constitutionnelle. Donc, si le président lui-même, l'état d'étranger dit qu'on pourrait constitutionnel, il plongeait, parce que depuis l'étranger dit c'est fini, il courit, il rentre dans la question. Seule façon pour t'entrer dans le cadre pour le faire, pour te sortir de la constitution. Or, le président n'a jamais déclaré le sort de la constitution ou pas dans le cadre de transition. Là. Est-ce que le président a remetté le sort de la cadre constitutionnel là, pour mettre la transition? Bon, à ce moment-là, quoique Fox a travers un accord politique, il a reconnu le pays qui a président en transition, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que, supposez que au fond constituant, en faire une analyse très simple, pour fond constitution, en dehors de cadre constitutionnel là, fonction constituante, vous avez créé. Qui est-ce pour qui peut décider, qui peut l'entendre dans la constituante là? Mais les constituantes là, lui-même, les fins font proposition, pour soumettre la population par référendum. Constitution qu'on a donné, qui ou pas qu'à faire référendum. Donc, faut d'abord, on a sorti la pour qu'on fasse. Donc, on va aller en tant qu'à fait là, au pouvoir personnel, monsieur Abba, j'aime dire personne, dépend de la constitution, mais là-bas, il a, j'en voulais, même introduit un débat sur question constitution. Pour moi, nous sommes temps perdu. Donc, l'autre préoccupation, nos relations beaucoup plus importantes que ça. Côté que nous gagnons, monsieur Assel là, par le Parlement, par rien, comment retourner dans le processus constitutionnel là? Nous n'avons pas trouvé un problème de deal. Il faut retourner dans l'état de droit. Ok, les gangs qui ont fait la loi là, pour faire la loi là. Paul est ton thème à Brian Aïssa. Mais il faut qu'arriver, il faut être capable de demander à Moun d'abjurer Baïssa. Quand c'est ça, vous le faites, vous ne savez pas demander dans la constitution parce qu'on connaît le PACA entrer dans la constitution. C'est seulement Madame Laline qui parle de Baïssa. Et puis depuis le roi, il ne jure que par une histoire constitutionnelle, même pas pour que tu aies tant qu'à perdre avec M. Jovenel par rapport à bon problème que nous avons là. La goutte qui est fritée, la misère qui augmente dans le pays. Parce que le débat, son perte de temps avec M. Jovenel autour de secrétaire d'État américain Mike Pompeo, dans le cas d'échange avec le président Jovenel Moïse, il parlait sous question situation droit mounio dans le pays. Le président Jovenel Moïse retourné en Haïti, lui-même il parlait seulement de question élection. Selon même pour qui ça, le président fait choix ça. Les gars fuit en avant. On a fait des déclarations imprudentes, il fera des élections, etc. Tout le monde connaît comment on fait forcing pour mettre à faire des malogues là sous pied. Et tout le monde est redouté que c'est pour Magou. Les conditions de nous mettre les nouvelles élections pas de Kassel, ou n'y a ou pas Kassel. Et on montre dans le dernier jour que tout là, ou pas d'aucune condition avec des malogrois, ou mettre en place les structures pour identifier les électeurs pour faire l'élection. Aucune élection de Kassel ne pas identifier les électeurs. Pas d'aucun monde qui peut participer avec eux dans sa mission à vivre. Voilà, M. Camille Leblanc, ancien ministre de Justice, sous diverses manœuvres, Jovenel Moïse a fait, il a pris plusieurs dossiers en même temps. Derrière pour ta faire une constitution en même temps la promettre élection alors que le par était temps encore devant et c'est ça il y aurait dans la politique américaine non depuis un président en fin de mandat c'est un canard boiteux et c'est maître Camille Leblanc qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré non actualité internationale n'a pas retourné fois ça dans pays États-Unis côté démocratie fini convention hier soir avec un discours candidat Joe Biden qui a accepté pour la candidat pour Parti démocrate dans l'élection 3 novembre qui a venu là. Démocratio, c'est une bataille yoye, et après la convention a fini hier soir, et c'est mot d'ordre là, et yo des candidats, yo tout tendance net, yo maré à cli pour y aller mettre dos
et Donald Trump à terre. Joe Biden clôturé convention investiture parti démocrate hier soir et qui fête virtuelle à cause de coronavirus non et qui sonne tout et l'ambi rassemblement et commencement bataille officielle entre lui-même et Donald Trump, deux hommes perdus. Pour qui est-ce qui a entré dans la Maison Blanche là, ou bien qui a prêté à partir de 3 novembre? Trop colère, trop la pérèse, trop division dans le pays. L'heure est arrivée pour rassembler, c'est sa candidat a déclaré. Et puis il te dit tout, a fait de petits jouettes, a fait tes langues flirter à dictateur, ça finit. C'est ça le lancer tout pendant la déclaration. L'elle a accepté pour et parti a désigné comme candidat pour aller dans l'élection 3 novembre. C'est comme ça traditionnellement, il fait partir désigner candidat et puis candidat vient dire accepter. C'était mardi, il était désigné. Et malgré pas de gain supporter, genre que les conventions qu'on a habitué faites à cause du coronavirus, non, démocratio, yo est vraiment impressionné et tout le monde qui t'a suivi avec diverses personnalités ou déplantonnées qui viennent appuyer candidat. Et rassemblement, toute gauche américaine, non, quel que soit socialiste, centriste, tout net de Joe Biden. Tout, il y a le même objectif, c'est mettre Donald Trump à terre, battre et dans l'élection qui a fait 3 novembre. Mais yon allié lumière, mais pas dans affaire marié avec ténèbres. C'est sa candidat déclaré, ancien vice-président Joe Biden, officiellement qui a accepté partir en désigné comme candidat pour l'élection. Qui a fait 3 novembre, dans le moment où il a clôturé la Convention nationale. Ça. Et il parlait de façon claire dans ce qui concernait position par rapport à Donald Trump, à ça qui a bien pour fait. Et côté que position parle département net à Donald Trump, Donald Trump, c'est ténèbres, lui-même, c'est lumière. Il présentait l'élection présidentielle 3 novembre comme une bataille pour l'avenir de l'Amérique, c'est comme ça, les États-Unis, l'Amérique, les pays, il rappelait, lançant appel par électeur, il dit que faut que nous sortions dans la période sombre, ça à côté que nous y est, dans la période ténèbre, ça nous tombe la donne, et pour ne pas réélire Donald Trump, pas bail monsieur, un autre mandat en plus, d'après ça le préciser. C'est avec un pile honneur, avec un pile humilité, tout, m'accepter, investiture ça pour poste président États-Unis d'Amérique, d'après ça le fait connaître. Mais je ne veux dire, c'est candidat parti démocrate là, mais là ma président américain, d'après ça, Joe Biden a poursuivi pour le dire. Et seul pas jamais prononcé non adversaire, pas même une seule fois dans discours là, il demandait tout Américain rassemblé. Mais c'est Michelle Obama qui t'a lancé et nous connaît convention ça, ancienne First Lady qui toujours très populaire dans pays États-Unis. C'est l'ouvrir convention démocrate là raconte un discours très personnel. Il dit si nous pensons que bagaille dans état yo a jeune jodi a qui gravement grave pas capable vinn plus grave que ça et bien nous trompons. Si nous rete bras croisés nous pas faire rien nous penser automatiquement bagaille qui grave y a changé pour contre nous trompons. C'est ça Michelle Obama te déclaré. Il dit si nous pas bouger pour nous faire bagaille bouger dans l'élection ça et bien nous mettre briller ça si nous gagnons une petite lumière espoir pour nous finir avec situation malouque chaos total capital nous trouvons journée aujourd'hui nous devons voter Joe Biden comme prochain président États-Unis et nous devons faire ça comme si nous pas faire vie nous à dépendre de ça c'est ça ancienne First Lady a déclaré Michelle Obama. Après, il était fin parler de un président qui dans tête pays qui pas ce parti pour quel monde d'ailleurs Donald Trump dit est passé tout pour une bêtise handicapé il apprend hier c'est pas capable ajouter que il dit il a échangé Porto Rico pour prendre Greenland parce que Porto Rico sont bon monde sale ou bon monde laide qui a vivre là-dedans ou bon malheureux pauvre. Donc c'est tout ça qui fait Michelle Obama dit que son monde qui pas ce parti pour peuple li ancienne première dame nan lancé un appel li mandé pour tout monde participer dans élection 3 novembre yo c'est seul gens pour lever des fia ben gon détail qui pas échappé puisque moun qui te fait collier pour lier je ne jodi tellement que commande di pas comme ça pour le faire
Elle dit ça en 2016, il était fait qui marquait VOTE vote. Et c'est l'île te mettait dans coule pour te attirer attention. Toute gauche là rassemblée net derrière candidat démocrate là Bernie Sanders. Donc on est qui était manqué Hillary Clinton en pile. Eh bien, journée jeudi à l'idée Joe Biden et dans cadre accord politique et qui vivra aller tout de républicains modérés qui viennent parler en faveur Joe Biden. C'était une clé convention démocrate ça, créer un rassemblement largement large et bon côté Joe Biden après un match qui était grand pile temps sur la donne pour primaire démocrate là, principal opposant Joe Biden qui est socialiste Bernie Sanders et bien il voyait un message qui très clair sur qu'on le coq dans discours là, voter Biden parce que avenir démocratie noire en jeu, journée jeudi d'après ça le fait qu'on est. L'autre figure dans l'aile gauche parti c'est un jeune député dans la Chambre représentant, Alexandria Ocasio-Cortez, bien que c'est une minute intervention seulement, yo bali, mais lui-même tout le kamene en pile moun. Faut que dit que démocratio, yo te vle tout pour yo te bay représentant l'autre et l'aile, tantôt pour te exprimer, ça veut dire de républicains modérés qui viennent jouer Biden. C'est comme ça, John Kasich, qui c'est ancien gouverneur républicain Ohio, Jambé, li fait connait dans convention ça, mais c'est un républicain depuis dix d'antan. Mais journée jodi a attachement ça li secondaire. Ça qui pi important c'est pays et moi même prend responsabilité envers pays, moi mandé nous pour nous voter Joe Biden. Et gen l'autre personnalité tout qui sorti dans Grand Hall party a et qui allait dans même sens non et pour appuyer candidat démocrate, gen déjà général Colin Powell, ancien chef diplomatie américaine, Cindy McCain, qui c'est madame et sénateur John McCain, veuve li, qui bouille dans l'année 2018, même Jean Tour, et plusieurs interventions très symboliques dans ce sens, qui rallient Biden et toute personnalité sa yo. Cependant, selon un analyste, qui c'est Corentin Selin, et pas ta vle dit grand chose pour parti républicain, hein? Professeur agrégé histoire spécialiste politique américaine nan rappelé que tout moun sa yo te déjà dos à dos depuis longtemps ak Trump. Et puis Kamala Harris yo t'ap tann ni tout nan discours li et puisque l'entrée dans l'histoire avec non comme colistière Joe Biden pour élection 3 novembre, sénatrice Kamala Harris officiellement accepté pour candidat pour poste vice-président et mercredi et quelques jours après Joe Biden t'a choisi. Autant dit que discours là tout pour t'a suivre de très près pour connaître qui ça le pral dit et face à toute l'autre personnalité déjà connaît qui bien installé sous cette nationale là en fait c'est première fois t'a pral arriver dans niveau ça. Il dit pas gain vaccin contre racisme et faut que nous mettez nous dans travail si nous voulons pour nous remporter la victoire. Et c'est ça ancien procureur général californien dit dans discours là côté mais c'est sous histoire famine en tant que petite immigrant il était plus chita et dans grand oral il t'a fait jour soir ça Kamala Harris première femme noire qui d'origine indienne et qui candidat pour ça pendant parler de mémoire maman qui c'est une chercheuse une universitaire indienne Shyamala et Gopalan et qui était spécialisé dans lutte contre cancer qui était arrivé dans l'université Berkeley dans Californie à l'âge 19 ans sorti en Inde et il parlait de papa tout qui c'est un jamaïcain et d'origine jamaïcaine non jamaïcain même et Donald Harris qui était étudié dans économique était sorti Jamaïque il parlait de seul nièce li et petite li qui était prend la parole tout dans même occasion mais discours qui fait tout pour nous saisir c'est discours Barack Obama. Yo pa jam wè yon ancien président attaquer yon président en fonction jan ke li fèl nan diskou l fè mercredi soir. Alors que jusqu'à présent te toujou mette de l'eau nan du vin, li pa même non men non Donald Trump en pile fois nan intervention publique li yo, fois ça, ancien président américain Barack Obama ale fort, li frappé et cogné et nou capable di et locataire Maison Blanche tan. Li bandonné toute réserve li te kon gagné. C'est pas deux coups pas bail. Il dit mais espérer pour bien payer nous que Donald Trump t'a montré un certain intérêt pour te prendre poste président au sérieux. Il va jamais faire ça.
Je pense que monsieur t'a senti poids fonction et que l'ité fait preuve d'un certain respect pour démocratie noire et qui journée jodi a la gaine amen, il pas fait ça. Il pas jamais fait d'après ça Obama dénoncé. Et il continue toujours pendant tout discours là, il dit Donald Trump, monsieur pas à la hauteur de tâche dit. Il pas à la hauteur pour le président pays États-Unis. Il pas capable d'après ça, il continue à accuser locataire Maison Blanche. Il ne dit pas jamais Obama mauvais comme ça. Tout les spécialistes ont mis deux mains en tête, ont saisi pour voir à qui virulence il attaquait Trump. Il dit et nous capables de noter genre de responsabilité ça y est pour un ancien président pas jamais attaqué. Et c'est très rare un président en exercice comme ça. D'après ça, Jean-Éric Brana qui se met en conférence dans politique américaine dans l'université Panthéon Azaz fait connaître. Alors que un ancien président pas jamais attaqué, un président qui remplace dans poste dans une convention Jean-Barack Obama fait ça contre Donald Trump, ça montre que depuis longtemps c'est Québec qui fait pas attaquer, c'est ça Michael Beschloss qui écrit un livre sous président américain a déclaré. Et tout Hillary Clinton étant donné l'expérience qu'il fait, j'ai perdu l'élection devant Donald Trump dans l'année 2016, non? Qui prend la parole tout dans la convention, il voyait un pinga by Joe Biden à Kamala Harris. Attention, monsieur, dame, pas penser que ça t'arrive, non, pas qu'arrive. C'est ça, il dit. Il trouvait nos situations exactement même genre que Joe Biden, côté tout sondage a montré c'est lui qui peut remporter la victoire. Et puis, l'arrivée, il perdu l'élection. Et concernant l'Institut d'opinion, il dit, le candidat démocrate, là, finalement, il perdu l'élection devant Donald Trump, même si, au point de vue vote populaire, il était remporté la victoire. Il dit, Joe à Kamala, nous capables de gagner 3 millions de monde qui vont nous voter d'avance, mais en après, nous gardons nous perdu l'élection. Nous mettons ferme confiance, monde de qui ça m'a parlé, d'après ça, Hillary Clinton dit. Donc, nous devons gagner une victoire qui n'a pas de discussion. Ce n'est pas 3 millions de monde. C'est une victoire écrasante, d'après ça, le fait qu'on est, pour ne pas gagner aucune discussion. Donald Trump n'a pas voulu quitter un rien passé. Et pendant toute convention, il était toujours présent. Il n'a pas voulu pour le Parti démocrate occuper tout l'espace médiatique. C'est comme ça, pendant toute convention, président américain déplacé là dans plusieurs États, Minnesota, Wisconsin, Iowa et ou bien Arizona, et côté li ap défend bilan devant population dans zone ça. Et li répond tout tac au tac avec personnalité démocrate qui attaque lui. Michelle Obama accusé d'après avoir li divisé pays a, et bien li courir écrit est-ce que nous oublions qui j'ai pays a été divisé sur Obama et Biden, et li répond tac au tac. À chaque fois, li gen occasion li tente dénigrer adversaire yo, li déclarer Joe Biden son marionnette dans main gauche radical parti démocrate non, et li dit Joe dambalawe do kwaliki c'est comme ça le relel et ou nan main et ou son marionnette. Donc mercredi président américain te semblait même suivre convention parti démocrate là en direct puisque c'est en lettre majuscule lettre capitale même il t'a répondre Kamala Harris ensemble avec Barack Obama. Quand elle mettait en doute que vraiment yo appuyé Joe Biden et qui déjà bail un avant-goût concernant ça pour le passé dans convention parti républicain qui a fait 24 d'août et qui déjà gagné un seul candidat tout pour connaître et qui c'est Donald Trump. Tranche journal ça c'est Auto Plaza BNC avec l'unité de 5